Les cybermenaces, ce ne sont pas que des petits génies de l'informatique qui cherchent à pirater les entreprises du CAC 40. De l'artisan au grand groupe, tout le monde aujourd'hui est concerné. Prenez Denis. Denis, il est pharmacien, mais il est surtout prévoyant. Il décide de sauvegarder toutes ses données sur un NAS, un serveur de sauvegarde de données qui est connecté à son réseau. Protégé et indépendant de son ordinateur, il lui évitera de tout perdre en cas de problème. Simple non, pourtant, est-il vraiment protégé? Il découvrira que non. Quelques heures après l'installation de notre solution Detoxio, qui analyse et bloque les flux toxiques, nous constatons une extraction de données. Comment cela se fait? Eh bien, le hacker a d'abord installé un logiciel espion sur l'ordinateur, puis il a simplement attendu que Denis rentre ses identifiants, les a enregistrés et a créé un compte administrateur fantôme pour opérer sans être démasqué. Ainsi, il a eu accès à l'intégralité des données de Denis, sans qu'il s'en rende compte. Vous voyez, toutes sortes de menaces existent. Alors, si comme Denis vous souhaitez retrouver votre sérénité, mieux vaut opter pour une cybersécurité de précision.